commence par l'exercice 1. F est une fonction de l'intervalle fermé borné AB vers R ID réglé si et seulement si, quel que soit epsilon supérieur à 0. Il existe une fonction en escalier F de AB qui vérifie f de x moins f de x inférieur à epsilon, quel que soit x appartient à AB. C'est ça la définition d'une fonction réglée. D'accord? Une fonction réglée, c'est-à-dire, quel que soit epsilon supérieur à 0, il existe une fonction en escalier qui vérifie f de x moins f de x inférieur à epsilon pour tout x appartient à AB. Première question, c'est montrer que toute fonction réglée, sur un intervalle fermé borné à B est Riemann intégrale. D'accord? Alors, c'est-à-dire, on montre que toute fonction qui est vérifiée sur ces conditions, alors elle est Riemann intégrale. Donc, qu'est-ce qu'on doit montrer? On doit montrer, pour montrer qu'il est Riemann intégrale, qu'il existe deux fonctions en escalier qui vérifient que f est inférieur entre psi et u, par exemple, quel que soit x appartient à b, et l'intégrale de psi entre a et b moins i sera inférieure à epsilon. Alors on doit montrer ces deux points. Premièrement, on doit construire deux fonctions en escalier qui vérifient que f est comprise entre i et psi pour tout x appartient à b. Et deuxième point, on doit montrer que l'intégrale entre psi et i il est inférieure ou égale à epsilon. D'accord? C'est ce qu'on va faire. Alors, premièrement, alors, soit epsilon supérieur à 0. Alors, d'après la définition, soit f est une fonction intégrale, une fonction réglée. D'accord? Alors, soit epsilon supérieur à 0 donné, et f est une fonction réglée. Alors, il existe, d'après la définition d'une fonction réglée, il existe fonction en escalier, je le note U, de AB vers R, qui vérifie f de x moins u de x, il est inférieur à epsilon sur 2b moins a. D'accord? Parce que pour tout epsilon, on peut avoir ça. D'accord? Alors, qu'est-ce que ça veut dire cette écriture? Ça veut dire que f de x est comprise entre epsilon sur 2ba plus i de x et moins epsilon sur 2b moins a plus epsilon de x. Pourquoi? Parce qu'on a bien que si par exemple une valeur x est inférieure à a, donc cela implique que x est entre moins a et a. C'est ce que j'ai fait ici. Donc f de x est comprise entre epsilon sur 2b moins a plus i de x et moins epsilon sur 2b moins a epsilon de x. D'accord? Et ceci, c'est quel que soit x appartient à b. Donc, je vais prendre psi de x égale à epsilon sur 2b moins a plus mi de x plus mi de x. Et phi de x égale à moins epsilon sur 2b moins i de x plus i de x. Alors ça, c'est un nombre constant. Et ça, c'est une fonction en escalier qui est constante, c'est-à-dire la somme de deux fonctions en escalier, c'est une fonction en escalier. Alors, qu'est-ce qu'on aura? On aura que psi et phi, ce sont deux fonctions en escalier sur AB qui vérifient, première condition, que f de x, il est inférieur à epsilon de x et phi de x pour tout x appartient à AB. Alors, on a montré première condition. Maintenant, deuxième condition, on va calculer l'intégrale de psi de x moins phi de x. C'est quoi l'intégrale de psi de x moins phi de x? C'est epsilon sur 2b moins a plus i de x moins c'est plus, donc c'est epsilon sur b moins a plus epsilon sur b moins a, c'est 2 epsilon sur 2b moins a, je simplifie par 2 et j'aurai c'est epsilon sur b moins a, ici i de x moins i de x c'est 0. Donc c'est l'intégrale de epsilon sur b moins a. Donc je fais sortir epsilon ici i de x.
t de x. Donc, c'est b moins a fois epsilon sur b moins a égale à epsilon. Donc, la deuxième condition est bien vérifiée. Donc, on peut dire que f est Riemann intégrable, c'est-à-dire que toute fonction réglée est Riemann intégrable, ou bien intégrable au sens de Riemann. Maintenant, deuxième question, on doit déduire, c'est pas montré, on doit déduire que toute fonction continue sur un intervalle fermé borné AB est Riemann intégrable, c'est-à-dire on doit utiliser première question. D'accord? Alors on va aller étape par étape. Maintenant, soit f une fonction continue sur AB. Alors une fonction qui est continue sur un intervalle fermé borné, d'après théorème de n, elle est uniformément continue. D'accord? Donc d'après théorème de n, f est uniformément continue sur AB. Et cela équivalent à dire que quel que soit epsilon supérieur à 0, il existe un certain θ supérieur à 0, tel que quel que soit x, y appartient à l'intervalle fermé AB. Si x moins y inférieur à θ, cela implique automatiquement que f de x moins f de y inférieur à epsilon. D'accord. Alors, pour montrer que toute fonction continue et Riemann intégrale, c'est-à-dire qu'on va utiliser la régularité des fonctions, c'est-à-dire qu'on doit construire une fonction en escalier qui vérifie ça. D'accord? On va construire une fonction en escalier de AB vers R qui vérifie que f de x moins phi de x inférieur à epsilon, quel que soit x, appartient à B. D'accord? Alors pour cela, on va prendre une subdivision qui est égale à x0 jusqu'à xn de AB de pas, tel que le pas de cette division est inférieur à θ choisi ici. D'accord? Inférieur à θ. Alors, qu'est-ce qu'on a? On peut dire que quel que soit i appartient à 0 jusqu'à n-1, on va choisir des points EI dans l'intervalle XI, XI plus 1. Regardez, on va travailler sur un intervalle XI, XI plus 1. Et le travail de cet intervalle, c'est pareil dans toutes les autres. D'accord? Alors, on va choisir sur chaque intervalle XI, XI plus 1, un point EI. D'accord? Dans chaque intervalle. Et on va poser une fonction phi de x égale à f de EI. D'accord? On va prendre phi de x, la fonction en escalier, phi de x égale à f de EI, et ceci quel que soit xi, quel que soit x appartient à xi, xi plus 1. Par exemple, si on a ici la fonction, par exemple, la fonction f comme ça, par exemple, et f de EI, c'est ici, alors on va choisir fonction, alors ça va rester constante sur l'intervalle xi, xi plus 1, et phi de x, c'est ici, c'est f de EI. D'accord? Dans tout l'intervalle xi, xi plus 1. Alors, qu'est-ce qu'on aura ici? Alors, on va, je répète, on pose phi de x égale à f de EI, ceci, quel que soit x appartient à l'intervalle xi, xi plus 1, alors on aura que, quel que soit i appartient à 0, n moins 1, quel que soit x appartient à xi, xi plus 1, qu'est-ce qu'on a? Parce qu'on a choisi ici xi et ici xi plus 1, on a choisi par exemple ici EI. Alors, on a la distance. Alors, pour tout x ici, pour tout x, la distance entre x et EI, la valeur absolue, est inférieure à la distance entre xi plus 1 et xi. D'accord? Si on prend ici x, alors xi moins EI, il est toujours inférieur à xi plus 1 moins xi. D'accord? Alors, pour tout x appartient à l'intervalle xi, xi plus 1, toujours x moins EI
est inférieur à xi plus 1 moins xi, et puisque on a choisi le subdivision de pas inférieur à θ, donc toutes les xi plus 1 moins xi, la valeur absolue seront inférieures à θ, alors xi moins e est inférieur à θ d'après ça, donc cela implique automatiquement que f de x moins phi de x inférieur à epsilon. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé que f de x moins phi de x inférieur à epsilon, et ceci, quel que soit i appartient à 0 jusqu'à n moins 1, et quel que soit x appartient à xi, xi plus 1. C'est-à-dire qu'on peut dire que quel que soit x appartient à b, on a f de x moins phi de x, il est inférieur à epsilon, ce qui implique que f est une fonction réglée, et d'après la question 1, donc f est intégrable au sens de Riemann. Alors, la deuxième question. Alors, on va rappeler la définition de l'intégrabilité au sens de Riemann. Alors, f est une fonction intégrable au sens de Riemann. Cela équivalent à dire que, quel que soit epsilon supérieur à 0, il existe deux fonctions en escalier. Cet ensemble appartient à E, à BR. Cet ensemble désigne l'ensemble des fonctions en escalier de AB vers R. C'est-à-dire, il existe psi deux fonctions en escalier qui vérifient les deux conditions. F est comprise entre phi et psi, et l'intégrale de phi moins psi sera inférieure à epsilon. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On a dans notre exemple, ou bien dans notre question, la fonction f de x égale à 1 si x appartient à q, égale à 0 si x appartient à r moins q. On doit montrer que f de x n'est pas intégrable au sens de Riemann. Pour cela, on va utiliser la négation de cette définition. C'est-à-dire, on va montrer qu'il existe un certain epsilon tel que pour toutes, quel que soit, pour toutes psi et phi de fonctions en escalier qui vérifient première condition, mais ils ne vérifient pas la deuxième condition. Donc, dans ce cas, on peut dire que la fonction n'est pas intégrale au sens de Riemann. C'est ce qu'on a fait. Alors, soit psi et phi de fonctions en escalier quelconque, alors on l'a prenait deux fonctions en escalier de AB quelconque qui vérifient, quel que soit XAB, phi de X inférieur à F de X inférieur à psi de X. D'accord? Alors suivez-moi bien. On a pris deux fonctions quelconques qui vérifient cette condition. Et on va montrer qu'ils ne vérifient pas la deuxième condition, donc la fonction n'est pas intégrale. D'accord? Alors pour cela, on prend un subdivision x0 jusqu'à xn de AB qui est adapté à phi et à psi. D'accord? Qui est adapté à la fois à phi et à psi. Il est facile, par exemple, puisque phi est une fonction en escalier, on peut prendre un sigma 1 adapté à phi. Et puisque sigma est une fonction en escalier, alors il existe subdivision qui est sigma 2 qui est adapté à psi, donc sigma 1 ignore sigma 2 est adapté à la fois à phi et à psi. D'accord? Alors en général, il existe toujours des fonctions qui sont adaptées à deux fonctions en escalier en même temps. Alors on va prendre sigma fonction qui est adaptée à la fois à phi et à psi. D'accord? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a? Quel que soit i appartient à 0 jusqu'à n moins 1, les intervalles de la forme xi, xi plus 1 contiennent toujours des nombres de q et de nombres de r moins q. D'accord? Parce que l'ensemble q est toujours dense dans r. C'est-à-dire, quel que soit l'intervalle xy, toujours il existe des éléments ici. Il existe des éléments, par exemple, il y a une infinité des éléments qui appartenant à Q. Et aussi, il existe des éléments, une infinité qui appartenant à R moins Q. Tout intervalle, d'accord, tout ouvert, contient des éléments qui appartenant à Q et des éléments qui appartenant à R moins Q.
donc contient des éléments de Q et des éléments de R moins Q. Alors regardez bien. Puisque cet intervalle x et x et plus 1 contient des éléments qui appartiennent à Q. Donc il existe des éléments dont les images égale à 1. C'est-à-dire au moins il existe un certain A, un certain élément A appartient à C, quelque f de A égale à 1. Et puisque psi supérieur à f dans cet intervalle, alors on aura psi de x supérieur à 1. D'accord? Parce que psi de x est toujours supérieur à f. Et aussi, on a des éléments qui sont dans R moins Q, c'est-à-dire qu'il existe des éléments dans les images égales à 0. Puisque phi inférieur à phi, à f, on aura que phi de x dans cet intervalle est inférieur à 0. Donc, quel que soit x appartient à 0 jusqu'à n moins 1, quel que soit x appartient à l'intervalle x et x et plus 1, phi de x supérieur à 1 et phi de x inférieur à 0. Donc, on aura que quel que soit x appartient à b, phi de x moins psi de x, il est toujours supérieur à 1. Et cela implique que l'intégrale de psi de x moins phi de x dit de x est supérieur à 1 dit de x. Donc l'intégrale de psi de x moins phi de x est supérieure à b moins 1. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Alors, si on suppose, regardez bien, alors pour epsilon égale à b moins 1, pour epsilon égale à b moins 1, on a montré que quelles que soient les fonctions en escalier qui vérifient première condition, elle ne peut pas être vérifiée la deuxième condition. Pour toutes, quelles que soient ici, à la place des existe, il y a quelles que soient. Donc, on peut dire que f n'est pas intégrable au sens de Riemann. Deuxième question, c'est montrer que si f est Riemann intégrable, alors 1 sur b moins à l'intégrale de f dit de t égale la limite de 1 sur n, la sommation de k égale à 1 jusqu'à n, f de a plus k b moins a sur n. Alors ici, on va utiliser les sommes de Darboux et il y a une équivalence entre l'intégrabilité au sens de Riemann et l'intégrabilité au sens de Darboux. L'intégrabilité au sens de Riemann équivalent que le sucre du somme inférieur égale l'inf du somme inférieur, ou bien là, je répète, la somme, ou bien le sucre du somme inférieur, parce que les sommes inférieures sont croissantes, égale l'inf du somme supérieur de Darboux. C'est ce qu'on va utiliser ici. Donc, alors pour cela, soit sigma égale à x0 jusqu'à xn, une subdivision régulière de AB. Alors, puisqu'il est régulier, on peut écrire que quel que soit k appartient à 0n, xk, les xk ici peuvent s'exprimer de la forme d'une suite arithmétique de la forme a plus kb moins a sur n. D'accord, puisque il est régulier et le pas de la division c'est b moins 1, c'est-à-dire pour aller de x0, c'est-à-dire à x1, on ajoute b moins 1, d'accord, sur n. À la deuxième, on ajoute, alors c'est a plus b moins 1 sur n, et ici, c'est a plus 2b moins 1 sur n, voilà. B moins A et B moins A deux fois, etc. Donc en général, XK c'est A plus K B moins A sur N. Alors on va poser pour tout K appartient à 1 jusqu'à N, MK, petit MK, si l'inf de F de X avec X appartient à XK moins 1 XK, et grand N de K, si le sub de F de X, X appartient à XK moins 1 XK. Ici, je vais essayer de construire une somme de Darboux inférieure et une somme de Darboux supérieure et je vais utiliser la propriété d'intégrabilité au sens de Riemann pour les sommes de Darboux et je vais avoir le résultat. D'accord? Alors, grand N K, si le sub de f de x dans l'intervalle xk moins 1 xk, donc qu'est-ce qu'on peut avoir? Que quel que soit k appartient à 1 jusqu'à n, quel que soit x appartient à cet intervalle x moins 1, xk,
qu'est-ce qu'on a? On a toujours f de xk est supérieur à l'f dans cette intégrale de f et inférieur à le sup de l'éclair. Toujours toute l'image d'un élément, il est supérieur à l'f et inférieur à le sup. D'accord? Donc, je peux faire ici la sommation et je multiplie par b moins a sur n. C'est ce que je fais. Alors, je multiplie ici, c'est la sommation b moins a sur n, la sommation de mk. Et ici, b moins a sur n, la sommation de k égale à n jusqu'à n de f de xk. Et ici aussi, la sommation b moins a sur n de k égale à 1 jusqu'à n de mk. Alors, ça, c'est un sens de Darbon inférieur, In moins de F. Alors, et B moins A sur N, et ça, c'est le sens supérieur de Darbon et N plus de F. Et puisque F est Riemann intégrable équivalent que la limite de In moins F égale la limite de In plus de F égale l'intégrale de FD de T, ça c'est la propriété ou bien théorème de l'intégrabilité au sens de Riemann en utilisant les sommes de Darbon. Alors on a la limite de ça égale à la limite de ça égale à c'est l'intégrale de F de T. Alors d'après théorème de Gendarme, on a les deux quantités ici en même limite en n tend vers 0. Alors il sera c'est le limite, la limite de B moins A sur N de cette quantité. Donc la limite de b moins a sur n quand n tend vers l'infini de la sommation de k égale à 1 jusqu'à f de xk égale la limite c'est a b f de t. Donc je divise sur b moins a, j'aurai ce que je dois montrer. Alors on passe à les autres questions. On reste toujours dans les questions 3. On va faire des applications. D'accord? Des applications de la formule qu'on a montré, ben, que 1 sur b moins a, l'intégrale de f de t entre a et b égale, c'est la limite de 1 sur n, f de a plus k b moins a sur n. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a? On doit calculer premièrement la limite de 1 sur n, la sommation de k égale à n jusqu'à n de tangente de k sur n. Alors, on va essayer d'écrire cette formule. D'accord? Alors ici, si vous remarquez, tangente de k sur n, à la place de f de a plus k b moins a sur n, donc on a ici k sur n, b moins a, c'est-à-dire b moins a égale à 1, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai ici? Ici, b moins a égale à 1, et a égale à 0, parce que j'ai rien, c'est 0 plus kp, et a égale à 0. Donc on aura a égale à 0 et b égale à 1. Donc on va considérer la fonction f de 0 à 1 qui fait associer chaque élément x par tangence de x. Alors, si on considère cette fonction, alors on peut écrire cette fonction continuée, une fonction, c'est une fonction continue sur l'intervalle 0 à 1, donc la limite de 1 sur r, la sommation de k égale à 1, de f de 0 plus k fois 1 moins 0 sur n. C'est, d'après cette formule, c'est 1 sur 1 moins 0, l'intégrale entre 0 et 1 de f de t dt. Donc, cette limite, c'est quoi cette limite? C'est la limite de 1 sur n, la sommation de k égale à 1 de tangente de k sur n, c'est l'intégrale de tangente de t. Là, une primitive de tangente de t, c'est moins log de cos de x, parce que tangente de t s'écrit de la forme cos de t prime sur cos de t. D'accord? Donc je remplace par 1, c'est moins log de cos de 1. Et si je remplace par 0, cos de 0 c'est 1, donc moins log de 1 c'est 0. Donc la limite c'est moins log de cos de 1. D'accord? Et pour la deuxième limite, alors on essaie d'écrire k sur n, dans chaque terme où on trouve k, on essaie d'écrire k sur n. Alors je factorise ici par n carré, voilà. Si n plus k sur n au carré, alors je prends ici un n et je fais sortir 1 sur n. Donc c'est k sur n, c'est la limite de 1 sur n, la sommation de k égale à 1 jusqu'à n de 1 plus k sur n à la puissance de k sur n.
Donc, on va considérer la fonction qui fait associer x de l'intervalle 0, 1 vers r par x sur 1 plus x au carré. Alors, on aura la limite de 1 sur r, la sommation de k égale à n de f0 plus k fois 1 moins 0 sur n d'après cette formule égale c1 sur 1 moins 0 et cb c1 et a c0, l'intégrale de f de t. Donc ça, si je remplace, si f de k sur n, donc c'est la sommation x, c'est k sur n, et 1 plus x au carré, c'est 1 plus k sur n au carré. Donc c'est l'intégrale de x sur 1 plus x au carré. Alors cette limite qu'on a trouvée, c'est la limite de mon v, c'est la limite de k sur n au carré plus k au carré quand n tend vers l'infini. Et une primitive de x sur 1 plus x au carré, c'est 1 sur 2 log de 1 plus x au carré. Donc je remplace, c'est 1 sur 2 log de 2 moins 0. Donc c'est 1 sur 2 log de 2. Maintenant, on passe à la deuxième exercice. Exercice 2. Pour toute n supérieure ou égale à 0, on pose n l'intégrale entre 0 et plus l'infini de b de x sur x au carré plus 1 à la puissance de n plus 1. Alors, premièrement, on doit montrer que n converge, quel que soit n supérieur à 0. Alors, premièrement, on a la fonction qui fait associer chaque x par 1 sur x au carré plus 1 à la puissance n plus 1 et continuer sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, localement intégrable sur l'intervalle toujours 0 plus l'infini. Sur l'intervalle 0 plus l'infini. Et on va poser, donc on a le problème seulement au voisinage de l'infini. D'accord? Alors, je vais poser l'intégrale et 1. Je vais diviser l'intégrale entre 0 et 1. Et 1 est plus l'infini. Alors, on n'a pas de problème dans première intégrale. Pourquoi? Parce que la fonction est définie et continue sur l'intervalle fermé borné 0, 1. Donc, c'est un intégrale de Riemann. Alors, et je vais étudier la convergence de l'intégrale entre 1 et plus l'infini de 1 sur 1 plus x au carré à la puissance 1 plus 1. Alors, qu'est-ce qu'on a? Quel que soit x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini, 1 sur 1 plus x au carré à la puissance 1 plus 1 est inférieur à 1 sur x à la puissance 2n plus 2. D'accord? Pourquoi ici? Pourquoi j'ai écrit ici? Parce qu'on a toujours 1 plus x au carré est supérieur à x au carré. Donc 1 plus x au carré à la puissance n plus 1 est supérieur à x au carré à la puissance n plus 1. X au carré à la puissance n plus 1, c'est 2n plus 2. Donc quand je fais l'inverse, j'aurai 1 sur 1 plus x au carré à la puissance n plus 1 inférieur à 1 sur x à la puissance 2n plus 2. Alors, puisque l'intégrale entre 1 et plus l'infini converge, c'est un intégrale de Riemann, on a alpha égale à 2n plus 2 supérieur strictement à 1. Donc l'intégrale est converge, ce qui implique que n aussi converge. Alors, pourquoi j'ai divisé l'intégrale sur 2? Parce que ici j'ai utilisé le théorème de comparaison par les intégrales de Riemann. Alors si je veux calculer de 0 jusqu'à l'infini, d'accord, j'aurai que cette intégrale ne converge pas. Parce qu'au voisinage de 0, on n'aura pas que cette intégrale converge. D'accord? Alors j'ai étudié seulement au voisinage de plus l'infini où il y a le problème. D'accord? Dans l'intervalle 0, 1, il n'y a aucun problème. La fonction est intégrable et c'est un intégrale de Riemann. D'accord? Pour la deuxième question, calculer I0, c'est simple. C'est une primitive de 1 sur 1 plus x au carré, c'est l'arc tangente entre 0 et plus l'infini, c'est pi sur 2. Et on a une troisième question, et n moins n plus 1, c'est l'intégrale de 1 sur x au carré à la puissance n plus 1 moins l'intégrale sur 1 plus n plus 2. Et c'est n plus 1 et c'est n plus 2. Donc je fais la somme et je réduis au même dénominateur. Donc j'aurai ici c'est 1 plus x au carré moins 1. D'accord, je simplifie par 1, j'aurai le résultat demandé. Maintenant, question 4, on va faire une intégration par partie. Avant de faire ça, alors ici, on peut utiliser la règle,
la règle que si la limite de x à la puissance, quand on travaille sur un intervalle de la forme a plus l'infini, on calcule la limite de x à la puissance alpha, d'accord, fois f de x, c'est égal à k. Alors, si alpha supérieur strictement à 1 et k existe, appartient à r, alors si alpha supérieur strictement à 1, on dit directement que l'intégrale entre a et plus l'infini de f de x d de x converge absolument, donc il est converge. Alors, on peut utiliser cette propriété facilement, d'accord. Alors, on peut calculer, pour montrer la convergence de cette intégrale, on montre que la limite, aussi bien de x à la puissance, parce que ici, grande puissance, c'est deuxième, plus 2 sur x au carré plus 1 à la puissance n plus 1, qu'est-ce qui est égal? Alors, cette limite, qu'est-ce qui est égal? C'est 1. Donc, il existe. D'accord? Égal à 1. Pourquoi? Parce que ici, quand x tend vers plus l'infini, parce que grande puissance, c'est x à la puissance 2m plus 1, et ici, grande puissance, c'est x à la puissance 2m plus 2. Ici, 2m plus 2, ici, donc égal à 1. Donc, k existe. Et on a alpha. Alpha égale à 2m plus 2 supérieur strictement à 1. Donc, on peut dire que l'intégrale converge absolument, donc implique converge. Alors, on peut utiliser cette propriété. On va dire on a la limite de ça. Alors, puisque alpha égale à 2m plus 2 supérieur strictement à 1, d'après critère de Riemann, on a l'intégrale converge absolument. Alors, cela implique qu'il est converge. On passe à la quatrième question. Alors, question numéro 4. On doit utiliser une intégration par partie pour montrer la relation demandée. Alors, on a trouvé que un moins un plus 1, c'est l'intégrale entre 0 et plus l'infini de x, x, d de x sur 1 plus x au carré, n à la puissance 2. Alors, on va poser i de x égale à x, et v prime de x égale à x sur 1 plus x au carré, n plus 2. Alors, je vais réécrire cette formule. C'est 1 de u fois 1 plus x au carré prime. C'est quoi le dérivé de 1 plus x au carré? C'est 2x. 2x fois 1 demi, c'est x. D'accord? Alors, j'ai écrit x de la forme de 1 demi, 1 plus x au carré prime. Le dérivé de 1 plus x au carré, c'est 2x fois 1 demi, c'est x. Et ici, 1 plus x au carré à la puissance n plus 2, c'est 1 plus x au carré à la puissance moins n moins 2. D'accord? Et c'est quoi? Et c'est quoi une primitive? C'est quoi une primitive? Primitive d'une fonction f, f à la puissance f, c'est quoi? C'est 1 sur f plus 1 fois f, le dérivé à la puissance r plus 1. Dérivé à l'ordre r plus 1. D'accord? Alors, c'est ce qu'on va faire ici. Alors, on a v' s'écrit de la forme 1 sur 2, f' fois f' moins n moins 2. C'est-à-dire r, c'est moins n moins 2. Alors, je vais ajouter 1 et soustraire. Donc, v, ici, i de x égale à x, donc i' de x, c'est 1. Et ici, v', donc i primitive, c'est 1 demi. D'accord? Fois, j'ajoute ici 1, donc j'aurai c'est moins n moins 2 plus 1, c'est moins n moins 1 sur moins n moins 1, fois le dérivé 1 plus x au carré à la puissance n moins 2 plus 1, c'est-à-dire moins n moins 1. Donc je factorise ici par moins, j'aurai ici c'est moins 1 sur 2n plus 1, et je rentre cette valeur a au dominateur. Donc, c'est 1 plus x au carré à la puissance n plus 1. Donc, qu'est-ce que je peux avoir? Donc, in moins in plus 1, c'est i fois v, c'est-à-dire x, fois
moins 1 sur 2n, 1 plus x au carré, entre 0 et plus l'infini, moins l'intégrale de i prime de x v de x, c'est-à-dire moins avec le moins ici, si plus, ici c'est 1, donc si plus l'intégrale de 1 sur 2n plus 1, l'intégrale entre 0 et plus l'infini, d de x sur 1 plus x au carré à la puissance 1 plus 1. Alors, puisque la limite quand x tend vers plus l'infini de cette quantité égale à 0, parce que ici le puissance au dénominateur, c'est x à la puissance 2n plus élevé que 1, donc c'est 0. Et l'image de 0 par cette fonction, c'est 0. Donc, on n'aura que n moins n plus 1. C'est quoi? C'est 1 sur 2n plus 1. Et cette intégrale, c'est un. Cette intégrale, c'est un. Donc, je fais ici la somme. Donc, c'est un plus 1 égale un moins 1 sur 2n plus 1 un. Donc, j'aurai le résultat demandé un plus 1 égale à 2n plus 1 sur 2 facteurs n plus 1 un. D'accord. Maintenant, on va donner la forme explicite de un. La forme explicite de un. Alors, on remarque, d'après la question 4, qu'on peut écrire un. Alors, je vais remplacer à la place. Regardez bien, à la place de n plus 1, je vais mettre n. Alors, je vais noter n prime pour ne pas confondre. C'est comme que je veux faire changement de variable, n prime égale à n plus 1. D'accord? Donc, j'aurai, par exemple, in prime, j'efface ici. Alors, j'aurai in prime égale, qu'est-ce qu'il est égal? Je remplace, on a dit n prime par n plus 1, c'est-à-dire n par n prime moins 1. Donc j'aurai ici 2n prime moins 1, c'est-à-dire moins 2 plus 1, parce que je multiplie ici par n prime moins 1 sur n plus 1, c'est n prime, sur 2n prime fois et 0. Donc, in prime égale, c'est 2n prime moins 1 sur 2n prime et 0. Donc, à la place de n prime, je vais écrire moi, c'est in égale 2n moins 1 sur 2n in moins 1. Pardon, ici, n prime moins 1. N prime moins 1. N prime moins 1, parce que je vais remplacer n par n prime moins 1. Donc, à la place d'écrire n prime, j'ai écrit un directement égal, c'est 2n moins 1, 2n un moins 1. D'accord? Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on va essayer de remarquer comment on peut écrire. Donc, je vais remplacer encore un moins 1. C'est quoi un moins 1 d'après notre formule? Un moins 1, c'est-à-dire que je remplace n par n moins 1, c'est-à-dire que j'aurai ici, c'est 2n, n moins 1 moins 1, sur 2n moins 1. Donc ici, c'est 2n moins 3 sur 2n moins 1. Donc je remplace in moins 1, donc je garde 2n moins 1 sur 2n, fois in moins 1, qu'est-ce qu'il est égal? Qu'est-ce qui ça va égal? C'est 2n moins 3 sur 2n moins 1 et n moins 2. D'accord? Encore, je vais remplacer in moins 2. Qu'est-ce qui ça veut dire in moins 2? In moins 2, c'est quoi? Si, alors je remplace ici in moins 2, c'est quoi in moins 2? Si, je remplace n par n moins 2, si 2n moins 2 moins 1 sur 2n moins 2. D'accord? In moins 3. Qu'est-ce qu'il est égal? C'est 2, 2 fois moins 2, c'est moins 4. Donc c'est 2n moins 5 sur 2n moins 2. In moins 3. Donc je remplace in moins 2. Alors je garde 2n moins 1 fois 2n moins 3 sur 2 fois 2. C'est 2 au carré. C'est 2 au carré n fois n moins 1. D'accord? Et je remplace n moins 3 et n moins 2.
c'est 2n moins 5 sur 2 fois n moins 2 et n3. Et n2 de suite, etc. Jusqu'à trouver, donc on peut conclure que n égale c'est 2n moins 1 fois 2n moins 3 fois 2n moins 5 jusqu'à soustraire 2n moins 1. Ici j'aurai E0 et ici je vais aller n, n moins 1, n moins 2 jusqu'à n moins 1. D'accord? Parce que à chaque fois, c'est juste, regardez, c'est juste, si je soustrais moins 2 ici, donc je soustrais ici moins 2 fois 2 plus 1. D'accord? C'est-à-dire, comment j'ai trouvé, alors ici, si je soustrais, par exemple, si je vais aller jusqu'à n moins 4, alors je vais faire 2n moins 1 fois 2n moins 3 fois jusqu'à 2n et je vais juste trier le double de moins k plus 1. D'accord? C'est ce que je fais. Je juste trie le double de k moins plus 1. Et ici au dénominateur, alors comme ici moins 2, je multiplie par moins 2, moins n. Ici moins 3, j'arrête à n moins 2. Donc jusqu'à 0, n moins n. Donc si je soustrais n, je vais faire n moins 1. Donc on peut vérifier ça par récurrence. D'accord? Alors on va vérifier cette relation par récurrence. Alors pour n égale à 1, d'après 4, qu'est-ce qu'on a n et 1? Alors, on va remplacer ici n par 0. Donc, c'est 2 fois 0 sur 2 fois 0. Donc, c'est 1 demi et 0. Donc, I1. Alors, d'après ici, I1, c'est 1 demi. C'est 1 demi et 0. Et d'après ici, alors pour 1, je vais arrêter à 2n, à 2 fois 1 moins 1. 2 fois 1 moins 1. Donc, j'arrête à 1. Donc, j'arrête ici. Donc, première terme, c'est 1 sur 2 à la puissance 1 sur 1 factoriel et 0. Donc, la proposition ici est vraie pour n égale à 0. Alors, on va supposer que n égale à cette quantité et on montre que n plus 1 égale à cette quantité jusqu'à 2n plus 1 sur 2n plus 1 sur n plus 1 factoriel. Et ça, c'est facile. On a n plus 1 d'après 4. Qu'est-ce qui est égal? C'est 2n plus 1 sur 2n plus 1. Alors, je remplace n par sa quantité et je multiplie ici par 2n plus 1 sur 2n plus 1. Donc, j'aurai ici 2 fois 2 à la puissance n. C'est 2 à la puissance n plus 1. Et ici, n plus 1 fois n factoriel. C'est n plus 1 factoriel, donc j'aurai, c'est vrai, cet résultat, quel que soit n supérieur à 1. Donc on a trouvé la forme explicite de In et on a vérifié par la démonstration par récurrence. D'accord? Alors on peut déduire facilement étroit. Alors la dernière question, c'est de calculer étroit. Alors on peut déduire étroit. C'est-à-dire qu'on va remplacer n par 3, on va aller ici, on va aller jusqu'à 2 fois 3, 6, 6, moins 1, 6, 5. C'est-à-dire qu'on va aller jusqu'à 5, donc c'est 1 fois 3 fois 5 sur, on va remplacer par 3, c'est 2 à la puissance 3 fois 3 factoriel et 0. Donc qu'est-ce que ça va égal? Donc c'est 1 fois 3 fois 5 sur 8, 2 à la puissance 3 c'est 8, fois 3 fois 9, P sur 2. On a déjà calculé P sur 2, donc c'est 6, 5, 8 fois 9 c'est 18, 36 c'est 72, 72 fois 2 c'est 144 P. Donc, c'est 5p sur 144. Alors, on va vérifier le calcul. C'est 1 fois 3 fois 5 sur 2 à la puissance 3, 3 factoriel. Ah, ici, on a fait, oui. Donc, c'est 2
Alors si oui, 3 factoriel, c'est 3 fois 2 fois 1. Donc on va simplifier par 1. Donc 2 fois 2, c'est 4. Fois 6, c'est 4 fois 6, fois, pardon, 2 fois 2, c'est 4, fois 8, c'est 32. C'est 5 sur 32P. D'accord, donc I3 égale 5 sur 32P. Alors l'exercice 3, première question, on doit montrer la convergence de l'intégrale entre 0 et 1, 1 moins x sur log de x, d de x. Alors si vous remarquez, on a problème en 0 et en 1. D'accord? Alors on va diviser l'intégrale sur, on va travailler par exemple de 0 jusqu'à 1 demi et de 1 demi jusqu'à 1. C'est-à-dire qu'on va étudier qu'est-ce qui se passe au voisinage de 1 et qu'est-ce qui se passe au voisinage de 0. Alors premièrement, on a la fonction qui fait associer chaque x par 1 moins x sur log de x et continuer sur l'intervalle ouvert 0, 1. Donc il est localement intégrable sur 0, 1. On pose l'intégrale de 1 moins x log de x, c'est entre 0 et 1 demi de 1 moins x sur log de x plus l'intégrale entre 1 demi et 1 de 1 moins x log de x. Alors, au voisinage de 1, c'est-à-dire on va travailler sur cette intégrale. Alors, premièrement, il est clair que cette limite est finie en 1. D'accord? C'est la limite. Regardez, si on a par exemple un problème, un intégrale généralisé, un problème en B pour une fonction f. Si on calcule la limite de f de x quand x tend vers B moins, alors, certainement, on peut assurer que l'intégrale f de x, d de x converge. D'accord? Si on a le problème dans A, par exemple, si on a le problème dans A, l'intégrale est généralisée en A, on calcule la limite en A plus. Si la limite existe, on peut assurer que l'intégrale est converge. D'accord? C'est ce qu'on va faire ici. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la limite de 1 moins x sur log de x quand x tend vers 1 moins égale, c'est la limite de moins 1, alors j'ai fait l'inverse, alors j'ai inversé 1 moins x, c'est x moins 1, et j'ai fait l'inverse de log de x sur x moins 1. Donc la limite de cette fonction, on a ça, c'est une limite isienne. La limite de log de x sur x moins 1 quand x tend vers 1, c'est quoi? C'est 1. D'accord? Donc c'est moins 1 sur 1, c'est moins 1. Donc la limite existe infinie ou bien la fonction est prolongeable par continuité. Donc on peut déduire facilement que l'intégrale entre 1 demi et 1, 1 moins x sur log de x, d de x, converge. Au voisinage de 0, c'est la même chose. On a la limite de 1 moins x sur log de x, alors c'est 1 sur moins l'infini. Quand x tend vers 0, log tend vers moins l'infini. 1 sur moins l'infini, c'est 0. Donc la limite aussi existe. Donc l'intégrale est converge au voisinage de 0. D'accord? Alors, ici on a oublié. Alors, on va continuer. Alors, l'intégrale entre 0 et 1 de 1 moins x sur log de x d de x converge. D'accord? Alors, deuxième question, on doit montrer que, quel que soit x appartient à l'intervalle ouvert 0, 1, on a log de x et entre x moins 1 sur x et x. Alors, pour cela, on va prendre la fonction h de x qui est égale à x moins log de x. Alors, h prime de x, c'est 1 moins 1 sur x, c'est x moins 1 sur x. Donc, qu'est-ce qu'on aura? On aura que quel que soit x appartient à l'intervalle 0h, 0, 1, x moins 1 sur x inférieur à 0, ce qui implique que h' de x est strictement décroissante sur l'intervalle 0, 1. Qu'est-ce que ça veut dire? Que quel que soit x inférieur à 1, c'est-à-dire que h de x sera supérieur à h de 1. Alors, quel que soit x appartient à 0, 1, h de x sera supérieur strictement à h de 1.
et h de 1 si 1 mon log de 1 c'est 1, 1 supérieur strictement de 0, alors on aura que quel que soit x appartient à l'intervalle 0, 0, 1, h de x supérieur à 0, c'est-à-dire que x moins log de x supérieur à 0, c'est-à-dire que log de x est inférieur à x. De la même façon, on va poser la fonction g égale log de x moins 1 sur x, c'est-à-dire c'est log de x moins x sur x, c'est moins 1, moins moins, c'est plus 1 sur x. Donc g' de x, c'est 1 sur 2x, dérivé de moins 1, c'est 0, dérivé de 1 sur x, c'est moins 1 sur x au carré. Donc, si x moins 1 sur x au carré est positif et x moins 1 est négatif dans l'intervalle 0, 1, donc on aura g' de x est décroissante parce qu'elle est strictement négative. Donc on aura, quel que soit x appartient à 0, 1, g de x sera supérieur à g de 1 qui est égal à 0. G de 1 égale à 0, log de 1 c'est 0 et 1 moins 1 c'est 0. Donc on aura, c'est quoi g de x? C'est log de x moins 1 supérieur strictement à 0, donc log de x supérieur à x moins 1 sur x. Alors on aura l'inégalité demandée que, quel que soit x appartient à 0, 1, log de x inférieur strictement à x et supérieur strictement à x moins 1 sur x. On passe à la troisième question. Alors, on continue par la question numéro 3. On doit montrer la relation suivante. L'intégrale entre 0 et grand x de x sur log de x égale à l'intégrale entre 0 et x au carré de 1 sur log de x pour x appartient, pour n'importe quel x appartient à l'intervalle ouvert 0, 1. Alors, pour cela, on va faire un changement de variable. T égale à x au carré, c'est-à-dire dt égale à 2x dx. Donc, d ici, on a x égale à la racine de t, donc d de x égale, c'est dt sur 2 racine de t. Alors, on aura que cette intégrale entre 0 et grand x, x sur log de x, je vais faire les changements. Alors, quand x égale à 0, t égale à 0. Quand x égale à grand x, t égale à grand x au carré. D'accord? À la place de x, c'est la racine de t, log de x, c'est-à-dire log de racine de t, et d de x, c'est dt sur 2 racine de t, je simplifie par racine de t, et c'est log de racine de t, c'est 1 demi log de t fois 2, je simplifie, donc il sera, c'est la racine entre 0 et x au carré, de dt sur log de t. Alors je peux écrire x, donc c'est 1 sur log de x, d de x. Quatrième question, on doit donner un encadrement de 0x de l'intégrale 1 moins x log de x pour x appartient à l'intervalle ouvert 0, 1. Alors qu'est-ce qu'on a d'après question 2? On a quel que soit x supérieur appartient à l'intervalle 0, 1, on a x moins 1 sur x inférieur à log de x. Et n'oubliez pas que log de x est négatif dans cette intégrale. D'accord? Alors je vais diviser sur log de x et puisque log de x est négatif, je change le signe, d'accord, j'ai divisé ici sur log de x et j'ai multiplié par x. X est positif, je ne change rien. Et log de x négatif, je change de signe. Donc j'aurai ces x moins 1 sur log de x supérieur à x. Donc je fais l'intégrale entre 0 et grand x de x d de x sera inférieur à l'intégrale entre 0 x x moins 1 log de x d de x. Alors c'est x au carré sur 2. L'intégrale entre 0 et grand x de x, c'est x au carré sur 2. Et ici, l'intégrale entre 0 et x, x moins 1, d de x. D'accord? Alors, on va essayer d'encadrer l'autre côté. Alors, d'autre part, qu'est-ce qu'on a? On a l'intégrale entre 0 et grand x de x moins 1 sur log de x. C'est quoi? C'est l'intégrale de x sur log de x moins 1 sur log de x. D'accord? J'ai séparé. C'est x sur log de x moins 1 sur log de x. D'accord? Alors c'est l'intégrale de x sur log de x moins 1 sur log de x. Alors d'après troisième question, qu'est-ce qu'on a montré? On a montré que l'intégrale entre 0 et x égale l'intégrale entre 0 et x au carré de 1 sur log de x. Et ici moins l'intégrale entre 0 et x, je fais plus et je fais x et 0 de 1 sur log de x. Alors on a ici même fonction. D'après relation d'Auchard, x, 0,
0x au carré. Donc cela, ça va égaler l'intégrale entre x et x au carré de 1 sur log de x. D'accord? Alors cette intégrale égale, c'est l'intégrale entre x et x au carré de 1 sur log de x d de x. Alors, quel que soit x appartient à 0, 1, on a toujours x moins 1 sur x log de x. Alors, je fais l'inverse. J'aurai si 1 sur log de x est inférieur, alors je change à x sur x moins 1. Donc, puisque l'intégrale entre 0x de x moins 1 sur log de x d de x, c'est l'intégrale de 1 sur log de x entre x, x au carré. On a montré ça ici. D'accord? Ça égale ça. Et on a 1 sur log de x inférieur à x sur x moins 1. Donc, il est inférieur à l'intégrale entre x et x au carré. Ici, regardez, j'ai ajouté moins 1 plus 1. C'est-à-dire que x moins 1 sur x moins 1 sur 1, c'est 1 plus 1 sur x moins 1. D'accord? Et l'intégrale de ça, alors une primitive de 1, c'est x entre x et x au carré. Une primitive de 1 sur x moins 1, c'est log de la valeur absolue de x moins 1. Donc, c'est x au carré moins x plus log de grand x au carré moins 1 moins x moins 1. Donc, c'est x au carré moins 1 sur x moins 1. Je factorise ici, c'est x moins 1 facteur x plus 1. Ici, c'est x moins 1 facteur x plus 1. Je simplifie par x moins 1 et j'aurai c'est x au carré moins x plus log de x plus 1. Alors, qu'est-ce que j'aurai? Alors, pour x appartient à 0, 1, on a l'intégrale entre 0 et grand x de x moins 1 sur log de x, y compris entre grand x au carré sur 2 et x au carré moins x log de 1 de x plus 1. Alors, pour avoir ici l'intégrale entre 0 et 1, on doit faire tendre x, grand x, vers 1, c'est-à-dire que l'intégrale entre 0 et 1 sera comprise entre 1 demi, ici 1 moins 1 c'est 0, c'est log de 2. Donc, sera comprise entre 1 demi et log de 2. Et quand on fait la limite, alors ces inégalités seront ou égales. D'accord? Alors, on passe maintenant à calculer l'intégrale. 0, 1. Alors maintenant, on va calculer l'intégrale entre 0 et 1 de x moins 1 sur log de x. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a déjà montré que l'intégrale entre 0 et grand x de x moins 1 sur log de x d de x égale l'intégrale entre grand x et grand x au carré de 1 sur log de x pour x appartient à l'intervalle ouvert 0, 0, 1. Donc, cx, alors regardez, cx fois 1 sur x log de x. D'accord? Alors, je vais prendre f de x égale à x et g de x égale à 1 sur x log de x. On a, qu'est-ce qu'on aura? On a pour grand x appartient à l'intervalle ouvert 0, 1. F et g sont deux fonctions continuées sur l'intervalle fermé x, x au carré. Et g, deux signes constants sur l'intervalle x, x au carré. Alors, d'après la formule de la moyenne, il existe un certain c appartient à l'intervalle x, x au carré qui vérifie que l'intégrale de x entre x et x au carré de 1 sur log de x égale f de c fois l'intégrale de g, c'est-à-dire l'intégrale entre x et x au carré de 1 sur x log de x d de x. D'accord? Donc c'est quoi f de c? Parce que notre problème ici, f de x égale à x, c'est c. L'intégrale, et regardez ici, 1 sur x, 1 sur x, c'est log de x prime. D'accord? Sur log de x. Alors, on a une fonction f' sur f, une primitive de f' sur f, c'est log de la valeur absolue de f. D'accord? Alors, une primitive de ça, c'est log de x. D'accord? C'est log de x entre x et x au carré. Donc, c'est log de x au carré moins log de x. Et c'est quoi log de x au carré? C'est log de 2 fois log de x. D'accord? Parce que log de x au carré, c'est 2 log de x moins log de x. Ici, on a log
de A fois B, c'est-à-dire c'est log de A, c'est log de 2, plus log de X moins log de X. Je vais simplifier par log de X moins log de X, j'aurai c'est log de 2. Donc si c'est log de 2, donc si tu intègres entre X et X au carré de 1 sur log de X, c'est quoi? C'est égal si c'est log de 2. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'intégrale entre 0 et 1. L'intégrale entre 0 et 1 de x moins 1 sur log de x, c'est quoi? C'est la limite de l'intégrale entre 0 et grand x quand x tend vers 1 plus de x moins 1 sur log de x d de x. Je remplace cette intégrale par l'intégrale entre x et x au carré. Donc, c'est la limite de l'intégrale entre x et x au carré de 1 sur log de x d de x. On a montré que cette intégrale égale si c'est log de 2, mais on a lorsque x tend vers 1, puisque c appartient à l'intervalle x, x au carré, alors quand x tend vers 1, cet intervalle, ça va réduire à l'élément 1. Donc c, ça va tendre vers 1. D'accord? Alors, quand grand X tend vers 1, C, ça va tendre aussi vers 1. Donc, on aura que l'intégrale entre 0 et 1 de X moins 1 sur log de X d de X égale C1 fois log de 2, c'est-à-dire C log de 2. C'est fini pour cet examen. À très bientôt.